Et bon, je vous entends ici Morgan von Brelan. Et ma voix va mieux. Et on se retrouve sur Death Bulge. Immédiatement après la fin de l'épisode précédent. Et donc, comment va le pingouin? Il est mort. Non, sans déconner. Ah merde! Évidemment qu'il est mort! Vous avez pas vu l'énorme laser? Je retourne à l'intérieur. Ah merde. Frangin dit que tout ça c'est que des conneries et c'est peut-être le cas, mais... J'ai entendu dire que dans la mort, si l'ego était particulièrement puissant, ça empêcherait l'âme de quitter ce plan. Ah ouais, on en a rencontré des comme ça dans le bus. Alors c'est vrai? Oh mon Dieu, je le savais! L'ego de Hatch était, à n'en point douter, massif. À n'en point douter, oui, bonne traduction. Elle a l'air d'être le genre de personne qui dirait à n'en point douter. Bref. C'est-à-dire que Hatch doit être en train de flotter là, quelque part dans le coin. Je le sais, je le sens. Oh, ça fout le bordel dehors. J'espère que vous entendez pas ça. Ils sont en train de tailler les haies ou des trucs du genre. Non, c'est en train de niquer mon enregistrement, pas vrai. Surtout que là, il n'y a pas de musique pour couvrir le... Enfin bref. Il est probablement en train de dériver, là, quelque part, complètement perdu. Si seulement je pouvais rassembler quelques rythmes légendaires. Le genre de rythme qu'on obtiendrait des êtres les plus puissants, alors peut-être... Ah, j'avais toujours un lien spécial avec les rythmes. Je pense que c'est la clé pour établir la communication avec lui. On va faire du Ouija, mais hip-hop. Ça va être bien. Mais par où commencer? Ça va? Ah, ça ira. Je suis juste là pour... donner un peu de temps, mon frangin. J'essaie de rester optimiste. L'esprit de Hatch est... quelque part... Je le sais. Je me fiche de ce qu'il dit, frangin. J'ai des rythmes légendaires. Et je propose ce que tu disais à propos de rassembler des rythmes des êtres les plus puissants. Ça ira. Je montre le rythme que j'ai eu du buisson banshee. Waouh! J'avais entendu des histoires, mais je savais pas que ça existait vraiment. C'est vrai que ces trucs ont pas de visage? Non, je vais même pas y penser. Mais oui, ça c'est un rythme légendaire, ça ira très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je montre le rythme de Madame Bouffant. Oh. Ah oui, c'est tous les boss secrets. Tous les boss optionnels. Oh, un rythme extravagant de l'ultime diva en personne. Vous aurez du mal à trouver meilleure qualité que ça. C'est marrant, c'est une bonne amie à nous en fait. J'aurais probablement juste pu lui demander gentiment pour celui-là. Mais bon, puisque vous l'avez en main, qu'est-ce que vous avez d'autre? Je montre le rythme que j'ai eu de Chuck Reed Scuttlebender. Brain brain. Wow! Un authentique rythme de sèche? De la part de Cuttlebrander lui-même. Nice!
De la part de Feu Kettlebrander en personne? Attends, comment ça, Feu? Il est encore en vie? Vraiment? Autant pour moi. C'est juste que sa musique remonte tellement, alors je me disais... Ah bon, bah écoute, tant mieux pour lui, hein. Mais oui, lui, c'est très bien. Quoi d'autre? Glamorella! Waouh! La Glamorella? Incroyable! Alors ça va vraiment élever le niveau, hein. Ouh. Je vais pas me faire frapper par la foudre quand je vais l'utiliser, hein. Aucune promesse. C'était quoi les chances? Une chance sur deux? Une chance sur quatre? Je sais plus. Quoi d'autre? Allez, le rythme du Work in Progress. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça c'est vraiment expérimental, mais... Ah, c'est d'une complexité telle que j'avais jamais vue. Ah oui, on peut utiliser ça. Quoi d'autre? Vous n'avez pas d'autre rythme d'une telle qualité? J'ai eu tout ce que je pouvais en récupérer. C'est un bon début, mais c'est pas assez. Mais je t'emmerde! Alors, ma collection de rythmes. Elle est bien, elle est dégueu. 1, 2, 3, 22. Vous avez 22. J'ai pas impressionné, blablabla. D'accord. Wesh. C'est vous? Est-ce que Box vous a donné le mode? Ouais, on s'en sert pas du tout. Merci beaucoup. Ah, je me sentais tellement mal de plus pouvoir vous accompagner. Au moins, comme ça, je peux quand même contribuer un peu. Ouais, tu veux sauvegarder? Ouais, vas-y. Bip, bip. Quel est votre problème? Vas-y, balance sa canette! Balance sa canette! Bébé, ça aidera. Wouh! La canette! Quoi? Est-ce que Harry est encore en train de délirer avec cette histoire d'ego et je sais pas quoi? Non, j'ai autre chose à foutre. Je vais pas commencer à avoir des espoirs. Juste pour qu'il se fasse écraser comme un guignol. Hatch, et puis d'abord Hatch, il n'avait pas un énorme ego. Il avait une énorme confiance en lui. Et il la méritait. Il faut qu'elle accepte que Hatch est parti et que c'est tout. Elle est juste clairement à l'étape du... Ouais, enfin c'est les étapes du deuil. C'est des conneries, hein. C'est clair. Ce côté, moi, je suis déjà accepté parce que je suis un champion. Le pentathlon du deuil a établi un gagnant et c'est moi. Dans ta gueule, Rin. On dirait plutôt que t'es encore à l'étape de la colère. Et on dirait que toi t'es à l'étape du trou du cul. Hein? Et bah, je te suggère de passer à l'étape de vire de là. Ok. Ça va, Kevin? Attends, et pourquoi vous regardez en bas? Ah, vous pensez que... Vous pensez que c'est le... Ah putain, comment ça s'appelle? Le pantin? Ouais, on va dire pantin. Vous pensez que c'est le pantin médical qui vous parle, hein? On monte les yeux. Voilà. Bon, maintenant que vous savez regarder, essayons. Vous avez oublié, hein? Là-haut. Tu veux que je te mette un uppercut pour forcer ta tête dans une position qui t'obligerait à me regarder? Je peux te prescrire ça, hein? Vous avez oublié, hein? Là-haut. Ça va? Le ciel est charmant ce soir. Relève-toi! Et te soulager de ta culpabilité? Sûrement pas. Ah, t'es nouveau toi, Jeff. Oh mon dieu, ces mécaniques sont brutales. Que le dieu soit miséricordieux. Ah, c'est vous, salut! On se connaît. Wow!
Hein? Qui est Jeff? Ah oui, le fanat de jeu de plateau! Oui, d'accord, oui, oh putain, la vache. Comme vous avez pu vous en douter avec mon... ma tenue de méchant, le rituel a été accompli. Je suis le nouveau propriétaire officiel de ce jeu. Maintenant, j'ai mes propres rituels à faire d'abord, comme me familiariser avec les règles officielles de ce jeu. Après ce bouquin, si tu fais quelque chose qui ne suit pas les règles, un esprit démoniaque âpre apparaît et te met une tape derrière la tête. Donc ouais, j'ai plutôt intérêt à connaître ces pages. Ça va prendre un moment. Ok. Salut. Salut. C'est cool de voir quelques clients enfin. C'était un peu trop tranquille par ici. Je pense que le mail de Maelstro a foutu les jetons à pas mal de gens. Et ils ont plus autant envie de choper des objets maudits. Ouais, mais rien de nouveau. Bienvenue au... Oh, c'est beau, encore. Eh, j'ai une idée. Revenez quand vous serez pas aussi chiant à discuter avec, hein. Quoi? Mais c'est pas très sympa. C'est pas sympa du tout. Le diable à ressort? Plutôt un connard à ressort. Et alors, tu veux danser, salope? La prochaine fois que cette boîte s'ouvre, il y aura un gant de boxe à ma place sur le ressort. Bienvenue à Bourg-Lignon. Ah ouais? Et ben moi, je vais me péter dans la boîte et refermer le couvercle. Oh, oh. Très fin, brief, excellente répartie. Ah, je voudrais bien voir ça. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Capriccio, arrête de te faire des ennemis avec les clients. Ça se reproduira pas. T'es dans la merde. Ouais, bah au moins, je vais pas me faire tuer dans un tournoi. Et du coup, il reste dehors. Encore là, hein. Non, je vais pas me refaire chier à encore rentrer dans la boîte. Juste pour ressortir et voir votre sale gueule pour une troisième fois. Donc je fais pas non seulement jusqu'à ce que vous ayez quitté le magasin, mais jusqu'à ce que vous ayez quitté la zone. Voilà. Capriccio, arrête ça. Ah ouais, il faut recharger la zone. Pas de problème. Plop. Plop. Ah, bienvenue, hein. Coucou. Oh mais c'est pas vrai, encore vous? Je vous ai regardé quitter le magasin, pourquoi vous êtes encore là? Barrez-vous! Capriccio, je te préviens. La prochaine fois que tu sors de la boîte pour les accueillir, tu la joues sympa ou tu dégages. Pourquoi vous retournez pas au pied des nazes ou je sais pas d'où vous venez? Capriccio, je te préviens, la prochaine fois que... Hop. Ah ah ah, bienvenue. Ok, je vais être sympa. Ah oui? Je vais bien faire table rase. En vérité, pour célébrer notre nouveau rapport, je vais vous dire un petit secret. Je suis récemment tombé sur un truc que j'ai trouvé absolument hilarant et je pouvais pas m'empêcher de marrer. Il faut que je partage avec quelqu'un. Vous voulez voir? Mais je vous préviens, c'est vraiment débile. Genre, complètement débile. Ouais. Ah ouais, où est-ce que je peux voir? Un miroir? Dans le miroir! Bingo! Désolé mon gars, elle est pas nouvelle ta blague. C'est du réchauffé. Espèce de fils de...
T'es viré! T'es viré! Ah, ça valait le coup. Eh ben, j'ai plus qu'à remballer mes affaires. sans déconner, le coup du miroir, c'est éculé. Eh, faut sortir de ta boîte, hein. Et puis là. excellent. Ça va, toi? Yann! Le vrai Yann de Death Bulge! Ah oui, c'est vrai. Je suis un super fan. Ah ouais? Donne-moi 5 de mes chansons. T'as même pas 5 chansons. Ouais, bien joué. Yann, 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 yann. Regarde ça, je l'ai fait moi-même. Oh, c'est trop choupi. Oh, le Yann Chibi. Ah, c'est trop mignon. Pourquoi est-ce que mon corps est aussi petit? C'est comme ça que les autres me voient. Quoi? Non, 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 c'est juste le style, pour que ce soit mignon et tout. Et je suis pas déjà mignon. Ah, merde, ah, ça s'est pas bien passé. Remonte-moi le jouet. Pas de problème. Non, t'inquiète pas, Yann, t'es beau, t'es fort. Pauvre Yann. Hugo, toi? Ah, bienvenue, étranger. Je dis ça parce que je ne reconnais aucun d'entre vous de tout à l'heure. Clin d'œil. Ah, vous me surprenez en train de lire une lettre super chaude. Ah, c'est toujours un délice quand vous tombez sur des lettres remplies de haine. Tu lis le courrier des autres? C'est qu'est-ce que j'avais dit la première fois? Ah oui, c'est vrai. C'est une invasion dans la vie privée. Et illégal aussi. Ah ouais? Eh ben Ah merde, c'était quoi la réponse cool que j'avais dit la première fois que ce gars m'a gueulé dessus? Ah oui. Ah ouais? Eh ben Tu dis ça, mais toi t'as mis un grand coup dans la porte, t'étais entré de force. Et pourtant je te mets pas dehors. Allez, sois un criminel avec moi. Battle of the Bands. Salut, Death Bulge. Je suis l'opérateur du portail. Je suis ici pour m'assurer que tous les groupes sont envoyés dans leur salle d'attente pré-tournoi respective. Cependant, vous arrivez un peu tôt. Le tournoi n'a pas encore commencé. Alors, t'es avec Daimo, hein? Même si t'as pas l'air d'avoir quoi que ce soit qui ressemble à un visage, t'as du chrome montrer ton visage ici. T'as envie de me casser la gueule, hein? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. On m'avait prévenu à propos de vous trois et de vos tentatives d'arrêter le tournoi. Alors, je suis préparé. Vous pouvez pas me faire de dégâts. On peut toujours insulter ta mère. Ah, vous voulez mettre des dégâts émotionnels, hein? Eh bah, dommage pour vous. Mes sentiments sont aussi en armure. Comment on met des sentiments en armure? Apprends-moi tes secrets. Ouais. Bobstead, s'il te plaît. C'est parti. Papa. 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 Ouais, Bobstead. Eh ben, on est arrivé. J'espère que vous avez apprécié la vitesse de conduite élevée. Je me suis dit que c'était la moindre des choses dans une telle urgence. Ouais, c'est vraiment sympa. D'ailleurs,
Vous voyez ce panneau d'arrêt de bus là? Je peux vous ramasser et vous déposer n'importe où il y en a comme ça. Oh! Wow, ça c'est pratique! Ce Cold est mon nouveau catcheur préféré! Fast travel, enfin! Ah, le voyage rapide! Bon, bah, s'il n'y a rien d'autre, je vais vous laisser! Bonne chance! Merci encore pour le service de bus premium! Ouais, pas mal! Ah, on trouvait clair! Je peux essayer le... Oh, il y a même une image pour te rappeler! Il nous a fait directement dedans! Ah! Very good, very nice! Pépé! Rem-pem-pem-pem-pem! Merde, c'était pas... Oh non! Je voulais pas! Âge de l'annihilation! Je vous défonce! Dégagez! Menu frottin! Aïe! Miaou! Ouais, t'es pas content, je m'en fous. Je vous défonce! Yes, le soin! Je vous défonce! Aïe! Comment je retrouve le mec qui me donne la quête pour sabater les autres là? C'était par là? Ouais, bonjour. C'était par là. Prendre le bus, c'était pas... Ah, vas-y, si. Prendre le bus, c'était chemin plus rapide. Alors, considère les emmerdeurs comme étant latés. Ah, bah ça, c'est fantastique. Super sympa. Ça me soulage de savoir que ma fille est vraiment en sécurité maintenant. Tenez, prenez ça. Je vais le donner à Elisabeth comme cadeau d'anniversaire, mais elle en a déjà un. Ah, j'arrive pas à me souvenir de quel produit dérivé de Pokélypse elle a et lequel elle a pas. Faudrait que je fasse une liste. Augmente la quantité de glam générée par le... Oh, de 50%. Oh. Je vais peut-être aller voir si c'est... Dunkery. Hein? C'est quoi ce mot? Ça existe? Un vrai mot? Dunkery. Salopette. Il faudra peut-être que je lui achète une salopette Pocalypse, mais ça coûte super cher. Cool. Ça va, toi? Maintenant que le concert est fini, tout le monde essaie de me passer au travers pour sortir. Mais non, ils me pousseront pas. J'aime bien lui. Ah oui, du coup, le pote démon de recently hatched. Non. Je retournerai bien voir maman.
voir s'il y a des trucs à te dire. Il y a maman de grippe aussi. Non, elle est plus là. Ah, ah, ah. Mep, mep. Mep, mep. Mep, mep. Mep, mep. Mep, 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 mep. Ah oui, c'est vrai qu'il veut le truc aussi, il veut le passage. Avec les flammes là qui bloquaient et tout. Enfin, la flamme. Il y avait une seule flamme, mais une grosse. Ah bah, il est toujours là. C'est peut-être pour plus tard. Moi, ce que je vais aller voir, c'est maman, puis la gamine aussi. Passage, ça? Non. Oh, sérieux? Faut se rentabler cette connard! Faites chier, les gars. Avec ça pour ça? Soin. Aïe. Âge de l'annihilation. Ah oui, alors le patch qui donne du glam. Ça peut être intéressant, ouais. La question c'est... Barrier, c'est trop fort. Ah. Parce que j'ai pas envie de laisser tomber ça. Parce que ça c'est fort quand même, plus moitié de glam. L'âge de l'initiation qui donne 30 là, qui du coup t'en aurais 45! Pratiquement la moitié du glam en une attaque! Ou une attaque qui coûte les deux tiers de la hype, mais une attaque quand même! Question c'est. Je me sers pas tellement de Boris pour faire des dégâts, donc je pense que lui je vais lui donner le. Le drop des ennemis. Augmenter le bruit de 30% s'il y a... Ouais... Il a un bruit qui est trop élevé pour que ça vaille le coup, en fait. La région de hype? Ça pourrait être sympa. Ouais, c'est rien que ça avec le plus 10%. Ouais, plus 10%, vu qu'il a 90 de base, ça le met à pile 99. Voilà, pour vous leur mettre ça, c'est bien. Je regarde vite fait ce qu'il y a d'autre. Non. 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 Déjà. Pas besoin. Déjà. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Non. Sûrement pas. Alors, moi, c'est bien comme ça. Alors. Il y a toujours de la musique, par contre. Hein. Je sais pas d'où elle vient, mais. Ça va, gamine? Ça va? Vu que ton groupe préféré tous morts.
Ils ont réveillé un dieu démoniaque antique avec de la musique, juste pour se faire tuer en direct sur scène. C'est trop métal. Wouh! Apocalypse, apocalypse. Ouais, c'est une manière de faire son deuil. Bah, elle a pas l'air phasée du tout. Ah oui, alors il y a l'autre taré aussi. La fin du monde, la fin du monde. Ça y est, Maestro s'est réveillé, t'es content? Ce qui était autrefois un sanctuaire démoniaque, Non d'accord, il n'y en a rien à foutre. Ton messie s'est réveillé et t'as rien à dire sur le sujet? Tiens. Wouh! Trop grande cette zone. Laissez-moi retourner au bar. Non, pas le ballon. Non, pas le ballon. Quoi de neuf? J'arrive pas à croire qu'on ait aidé à porter un dieu sur nos épaules. Ah, ça ira bien sur le CV. Ah, tu sais encore de lui causer, hein? Et si tu venais me parler à moi plutôt, j'adore dire des trucs. Quoi? Comment ça, quoi? On n'a rien dit. Hein? Alors, vous avez encore un signe, il est juste là, derrière le comptoir. Lui aussi, il est fan de la couleur azur, alors on a discuté pendant une heure. Il m'a même offert un verre. Ça a le goût de la merde, mais bon, je veux pas le blesser, alors je le bois quand même. Vous avez passé une heure à parler d'une couleur? Bien sûr que non. Si parler de on n'a pas parlé que de... Attends, Teal. Teal, c'est pas turquoise? Parce que si dit turquoise, turquoise, c'est turquoise. C'est quoi Teal? T-E-A-L. Bleu sarcelle. Oh! Vous avez passé une heure à parler du bleu sarcelle? Ah, mais bien sûr que non. On s'est parlé de turquoise, cyan, à quoi? Et alors que je pensais que la conversation ne pouvait pas devenir encore plus dingue, c'est subitement mis à évoquer le bleu de piscine. Ah, ok. Il est excitante. 66. Non. Ok. Bon, retournons à... Non, pas le ballon! Retournons à Bobstead. Non, pas le bateau! Qu'est-ce que j'ai... Hein? Je ne sais pas ce que je viens de faire. Rap. Aïe. Pipipipipipipipouiou. Ah. Envoie les boucs.
Aïe. Allez, meurs. Merci. Ah, ça a monté le niveau. J'ai pas envie de martoper ces ennemis, ils sont chiants. Ça me perturbe qu'on soit, qu'on puisse passer d'une zone à la suivante mais qu'on ait plus dans le même sens. Il a repop. Aïe. Hache de l'alignation. Ouais, allez, vendu. Petit soin. Aïe 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 aïe, ma hype. Culé. Ouais, transformation, ok. Ah merde, ce stimule. Enculé. Kinga Thump. Je défonce. Voilà. Point. Oh là là, un XP, sérieusement. Terrible. T'es quoi fait pour faire rentrer le bus jusqu'ici? Comment ça marche? Un truc. Où est-ce que je vais, non? Victoire! Ouais, cette fois, tu plantes pas, tu l'envoies au kiosque de Bobstead. Ok. Allez voir le vieux, on va retourner au kiosque. Salut! Alors, vous voulez faire une petite course pour moi? Eh ben, vous avez de la chance. J'ai un truc à vous faire faire. Dia, une vieille amie à moi, à son anniversaire bientôt, elle va avoir 75 ans.
Il me faut une carte spéciale qui vende à la poste. Celle avec un caribou dessus. Ramenez-le là pour que je puisse écrire ma lettre. Il faut que ce soit le caribou fêtard. C'est une vieille tradition entre nous. Private joke si vous voulez. Ça irait pas si j'ai envoyé quelque chose d'autre. Voilà, 300 balles pour acheter la carte. 300 ? Ouais, les prix ont beaucoup monté récemment. N'oubliez pas, il faut que ce soit le caribou. Caribou ! D'abord, mon prix. Bonjour. Eh ben vraiment, vous collectionnez les colis, hein. Il y a une note. Bon, ça suffit. Je coupe le site. Fini. Vous récupérez plus de prix. J'arrive pas à croire que ça a pris tout le temps pour penser à ça. Voilà votre dernier prix. J'espère que ça vous ira parce que c'est le dernier que vous aurez. Ouh. Ça rembourse presque ce que j'ai filé à Sid. Donc ça y est, c'est fini ça? Ouais. J'essaie de tous trouver. Regardez qui voilà. Les éveilleurs de démons. Ta gueule! Il aurait été réveillé avec ou sans nous. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Oui! Je te le dis. Alors, il y a plein de cartes. C'est là qu'il y a toutes les cartes d'anniversaire. Oh là là, il n'y en a aucune avec un caribou. Regarde ce qu'ils ont par contre. Qui a besoin d'un caribou quand tu peux avoir ça? Ils voulaient vraiment que ce soit un caribou, hein. Allez, l'ami de Foggy va adorer ça. Peut-être que le caissier a des cartes de caribou qui traînent dans le fond. Dans le fond. On nous a demandé d'acheter une carte d'anniversaire caribou, mais on n'en trouve pas. Ah ouais, ces cartes caribou sont très populaires. On est complètement rupture de stock, désolé. Mais c'est bon, vous savez pas, j'en ai une juste ici. 74. Non, ça va pas, c'est 75. Attends un peu. 74. C'est la carte de l'année dernière. Elle a jamais été envoyée. Quel enculé. Elle est un peu défoncée par contre. Elle a traîné par terre pendant un moment. Je crois qu'il y a eu de l'eau tombée dessus. Et quoi? Je vous la donne gratos puisqu'elle est aussi trempée. Attends un peu, c'est pas le bon nombre. Faut bien en voler une avec 75, je suis pas 74. Non mais on la prend, écoute, il voulait absolument un caribou, alors une carte caribou, c'est mieux qu'une carte sans caribou. Puis je me permets de proposer une alternative. Ah purée, t'as encore ça? Allez, elle est en parfaite condition. En parfait état. On laisse tomber le caribou trempé. Et on prend cette carte-là à la place. Ouais, il marque un point. Même si c'est le caribou qui a demandé, elle est complètement défoncée, qu'est-ce qu'on fait? Caribou! Vu à quel point caribou était pointilleux avec cette histoire de fromage, je vais pas prendre de risque. Il veut un caribou, il aura un caribou. Même si c'est défoncé. Ça va. Comment on peut dire qu'on est des miliciens alors qu'on tourne le dos à une carte pareille? Peut-être que je t'envoie pas assez de cartes rock, Faye, hein? Tu voudrais une carte d'anniversaire rock? Ça va mal finir. Est-ce qu'on peut aller voir Barry vite fait? Pour lui dire que Sid va bien, que ses affaires vont bien. Il passe le bonjour. J'en ai dit que vous avez échoué.
Tout ça a l'air très blême, mais je suis sûr qu'il y a moyen. Ne perdez pas espoir. Peut-être qu'on peut discuter avec Maestro, prendre le thé. Ouais. Ok. Vous, j'avais de la carte caribou. Ouais, en quelque sorte, c'est pas le bon numéro et il est complètement défoncé, mais c'est tout ce qui leur restait. C'est pas grave. On n'aura qu'à dire que c'est à cause de la livraison. Je pense qu'on va vous faire chier, alors je vais improviser avec ce que vous m'avez donné. Pas mal, hein? Rien de tel qu'un stylo pour être un peu créatif. Ouais, on voit, c'est déjà signé en bas à droite. Maintenant que j'y pense, je crois que je n'ai pas envoyé de carte d'anniversaire de 74 l'an dernier. Parce qu'en fait, elle avait 73 ans. Je crois que je me suis planté, en fait. Elle n'a pas 74 ans maintenant. Elle va avoir 74 ans. En fait, 74, c'était le bon numéro. C'est marrant. J'imagine qu'ils n'ont pas d'autre carte de 74e anniversaire à la poste, hein. Oh, faut que j'y retourne. Quel enfer. Quel emmerdeur. Tu veux pas juste réécrire un 4 par-dessus le 5? Attendez, tout motivé. Vous espérez qu'il y a une autre carte de 74e anniversaire avec un caribou dans le coin? Laissez-moi regarder. Ok, bah vous avez du bol. Je vais trouver une dans une enveloppe scellée dans un des... dans un des courriers sortants. Celle-là est en parfait état, alors je vais vous faire payer plein prix. Mais... ça fera 300 balles. Ah, alors le 4 coûte vraiment 300 balles. Vous achetez ou pas? Mais la carte, elle est utilisée. C'est le courrier de quelqu'un d'autre. Quel sac à merde. Bon, je paye, mais... Voilà, votre carte qui arrive. Mais quel sac à merde. Je suis sans voix, j'en perds mes mots. Et voilà ta carte caribou. Ouais, vous l'avez trouvé. Il est en parfait état. Fantastique. Alors, c'est moi manger ça. Voilà. Ah. D'accord, il a découpé le 4 et il a mis... Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ben je voulais pas me faire chier à tout réécrire... Alors, juste découper le 4 et puis j'ai scotché sur la première carte. Je suis fort en bricolage, hein. Eh ben, il n'y a plus qu'à la poster, hein. Ils sont pas revenus chez elle. Ah, va falloir retourner au concert pour leur parler. Qu'enfer. Alors, la carte. Vous êtes ici pour envoyer quelque chose? Oui, on a une carte ici pour... Oh, et puis merde. Hey. Nick. Je vais pas me faire chier avec tout ça, juste pour que la carte n'arrive jamais et... traîne ici avec tout le reste du bordel. On va livrer ça nous-mêmes. Ah oui? Ah vraiment, super. Vous pouvez livrer ça aussi tant que vous y êtes? C'est pour la même adresse. Sérieux?
Autant faire, hein. Bien. Pap. Albidion d'abord. On va aller voir les platines délicieuses. On va faire une petite nappe. Une petite sieste. On va faire une nappe. Nappe. Alors, c'était par où ? Belbert, camping A. Faut esquiver la boule. Esquiver les ballons ? Ouais. C'est par là ? Vous êtes sûr ? Ouais, ça a l'air. Là, il y a un batelier. Il y a un... Non, le ballon ! Toum-toum. Transformation. Ah ouais. Blin. Bah, Robin les boucs, tu meurs. Et toi aussi, dégage. Voilà. Level up. Max. Comment ça, Max? Ah, je suis au niveau maximum, ok. Bah toi, tu vas te mettre en full drop alors. Hop là. Là. Non, attends, je vais pas au nord, je vais par là. Je suis paumé. Ouais, non, c'est par là. Et, ah bah, elles sont plus là. C'est où? Oh non, ça se voit pas bien. Hein. Toi, t'es toujours en train de larper. Ça sent vraiment aller à fond avec ce gros décor poisson démoniaque là. C'est super convaincant. D'accord. Putain, mais oui, je peux passer par là, j'avais oublié. Je suis un guignol. Faut aller voir la vieille, elle habite où? C'est elle? Ça doit être elle. Dia. Ah oui. Dia, on a des courriers pour toi. Et deux pour moi. Joyeux anniversaire. Ah oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire, hein. J'avais complètement oublié. C'était cette voix-là que je faisais le toit. Ouais, bah, on va commencer avec le plus gros. Ah! Un tableau de ma petite fille, Nell. Oh, c'est adorable. Quel cadeau charmant. J'adore comme ces arbres rouges et verts de Bobstead ont l'air de se faire des câlins. C'est de là que vous venez, hein? Vous avez dû les voir. On dirait que le tableau a été abîmé durant la livraison. Oh, bon, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de l'accrocher immédiatement. Ah. Alors, viens voir cette carte. Qu'est-ce que c'est? Ah. La tradition continue. Formidable. Elle a l'air un peu déglinguée, mais bon, ce sera pas un bon anniversaire sans ça. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre parler de Foggy après tout ce temps. Mais... Même si... Ça m'embête un peu qu'il ait rien dit à propos de ce que moi je lui ai envoyé pour son dernier anniversaire. Surtout à quel point c'était important.
Je crois qu'il ne l'a jamais reçu. J'imagine que vous pourriez pas aller voir au bureau de poste local. Peut-être qu'il y a encore. Merci beaucoup de m'avoir apporté ça. J'apprécie. Je vais éclater ce putain de démon. Dis donc. Un package pour Foggy, hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a des trucs de valeur là-dedans. Enfin, j'imagine, parce que... quelqu'un d'autre, un bandit cinglé, l'a volé. Et l'a vendu à Heather. Pour un paquet de fake. Heather l'a probablement encore en stock. Peut-être que vous pouvez lui demander. Oh. Je déteste les démons. Sauve-toi, Box. Toi, c'est cool. On essaie de récupérer un paquet volé qui a été vendu par erreur à vous. Apparemment, ça avait beaucoup de valeur. Quelque chose de valeur qu'on m'a vendu. Ah, le truc que Mazzy là m'a envoyé. Ouais, c'était un bel objet. Je me souviens qu'il est resté sur les étagères pendant un moment. Je commençais à me demander si j'avais été un peu trop... Comment dire? Si j'avais pas mis le prix un peu trop élevé. Et puis, il y a ce champion premium qui a débarqué. Un mec recouvert de tatouages de poisson. Il voulait quelque chose de vraiment gothique et... ça faisait l'affaire. Bon, évidemment, si j'avais su que c'était volé, j'aurais pas vendu. Vous avez besoin de trouver l'acheteur. Il voulait vraiment retourner à Bobstead dès qu'il l'avait acheté. Vous le trouverez sûrement là-bas. Un mec cool. Qu'est-ce que... C'est nouveau ça? Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça a aussi un jour ou... On a disparu! On a boule! On a boule! Ah! Bon. Bon bah tant pis. La bouboule! Elle est revenue! Non, ça va bien. Alors... Un mec métal recouvert de tatouages de poisson. T'as des tatouages de poisson, toi? Récemment, j'ai reçu plein de d'emails qui me demandent des tatouages d'Apocalypse et de Recently Hatched. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts ou quoi? Ouais, Maestro les a butés. En direct, sur scène. Oh, oh, c'est... Toi! Hé! Hey, je t'ai déjà montré mes tatouages! Le tatoueur a un sacré talent, ça c'est sûr.
Oh, tu es une œuvre d'art ambulante. Il a fait un super boulot. J'arrive pas à croire qu'il a réussi à faire des lignes aussi propres alors que j'arrêtais pas de bouger. Fallait que je fasse un cadeau spécial pour arranger les choses. Eh, hey, mais c'est pas le gars couvert de tatouages dont Izor parlait? Ah oui, apparemment, t'as acheté quelque chose à Izor, quelque chose de beaucoup de valeur. Ah oui, le truc de musique goth, trop cool là. Ouais, je l'ai acheté. Ça m'a coûté plus cher que les tatouages. Mais quand j'ai vu le visage ravi de Gorgeous, ah, ça valait le coup. C'est à ce moment-là que j'ai su que... qu'il a arrêté de m'en vouloir et que je suis rentré dans ses petits papiers. Tu l'as déjà donné? Bien sûr! Quand vous trouvez le cadeau parfait, vous pouvez pas attendre de le donner! Pourquoi vous voulez le voir? Faudra parler à Gorgeous. Ah, ben il est là. Le cadeau que j'ai eu du mec au poisson, là? Ah oui. Ah, ce petit gars m'a vraiment impressionné avec son coup. Hein. C'était un sacré geste. Et pour autant que j'apprécie ce cadeau, j'ai dû le donner. Oh! Oui, ce mode, en fait, appartenait à un bon ami à moi. Il l'utilisait tout le temps à l'époque au sommet de sa musique. Il en parlait tout le temps. Il était convaincu que c'était perdu pour toujours. Vous auriez vu sa tête quand je lui ai donné. Qui? Foggy. Foggy! Ouais, Foggy. Non. Foggy fait de la musique? De la musique gothique? Ah, donc à la base, c'était un truc que Dia m'avait envoyé. Ouais, ça se tient. Je me demandais comment ça avait pu atterrir dans cette boutique dont Gorgeous parlait. Ah, vous êtes des musiciens, pas vrai? Tenez, prenez-le. Effacez. Game ludique. À tous les adversaires et ça efface toutes mes mesures. Mais... Vraiment? Merci beaucoup. Même si... j'y tiens vraiment en termes de souvenirs. Ça ferait vraiment plaisir de savoir que... il continue d'être utilisé par des musiciens actifs. Sinon, il continuera juste de traîner. Mais mettant de Power Wizard... sont loin derrière moi. Power Wizard? Le sorcier du pouvoir. Ah, vous êtes des fans? T'es un musicien préféré? J'arrive pas à croire que j'étais pas au courant. Juste en face de la rue. Ah, et ben ça... ça remplit ce vieux cœur de joie de savoir que la jeune génération apprécie encore ce qu'on a créé il y a des décennies. Ouah. J'arrive pas à croire après tout ce temps. Power Wizard. Juste à côté de chez moi. Ah, il y a tellement de choses dont je voudrais te parler. Rompiche. Une autre fois peut-être. Et c'est fini. Pourquoi on va voir la phrase là? Ah oui. Petit test, petit sauvegarde et on va se laisser là. Et je vous dis donc, au revoir à tous et à la prochaine.